Here's what's happening. The awesome tunes are waiting for you. A whole lot of fun and exciting surprises like secret characters. It's all starting, so get it together. Are you ready? Go! Motor Tune Grand Prix! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer à Motor Tune Grand Prix sur PlayStation, un des premiers jeux de la console d'ailleurs. J'aurais dû faire start dès le début. Donc oui, je disais, un des premiers jeux sortis sur la console de Sony. C'est un petit peu le son par contre. Voilà. Donc, un jeu bah, un petit peu comme, comme un Mario, comme un Crash Team Racing, tout ça. On a plusieurs modes de jeu, le mode championship, le mode de course simple, le time attack, free run, VTS, theaters, les goodies. On va aller voir ce qu'il y a dans les goodies d'ailleurs. Alors je me demande si le son est pas trop fort, on s'en déconne, mais bon, je vais baisser un petit peu de mon côté. Parce que là ça va vraiment être trop. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Enfin, en tout cas de mon côté c'est trop fort. Donc. Les goodies, qu'est-ce que l'on en a rien, parce qu'on n'a rien débloqué, ça m'aurait étonné qu'on ait quelque chose dès le début. On va du coup commencer par un petit time attack, sur découvrir un petit peu le jeu, c'est la première fois que j'y joue aussi. Alors on a Captain Rock, Princess Jean. Alors pourquoi Princesse Jean alors que ça aurait pu être un nom féminin, mais bon. Le Ball Box, les frères pingouins, Raptor à Raptor, on a Vanity, Billy the Thug. Et Ching Tong Tang. Oh putain, mon dieu, ça y est, ils ont fait. Ça y est, waouh. Hashtag racine, tout va bien. Donc, il y a 5 véhicules au choix et 3 à débloquer, si je ne peux pas. Et je trouve les véhicules assez. C'est assez particulier comme design. Alors, ils ont fait un bel effort quand même sur l'introduction, honnêtement. Il y a des jolis. Je sais qu'en image de synthèse et mélangé avec celui du jeu. Je vais prendre ce truc, qui est le seul truc un peu mignon, on va dire, de ce qu'il y a dans la liste. Et là, je n'ai que deux, que le Toon Island 2 qui est débloqué. On va prendre ça. Donc on peut changer le circuit, on peut changer la machine, on peut voir les records et on peut démarrer. Alors, je n'ai pas regardé les commandes, peut-être que... Oula. Go, 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 go. Alors, oula. Oula, alors déjà, ce que je peux vous dire... C'est très très particulier. Comment expliquer le maniement? Alors, quand je tourne, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un délai énorme entre le moment où j'appuie et le moment où ça tourne. Typiquement, je vais vous dire en quel moment j'appuie à droite et à gauche, et vous allez comprendre. Alors, si je n'ai pas fait depuis vidéo pendant un moment, c'est que j'étais malade. Regarde, je vais m'arrêter. Là, il est tout droit. J'avance tout droit. Hein. J'accélère. Je tourne à droite. 3, 2, 1, top, à gauche. Ça change rien. On peut passer, apparemment on peut couper par-dessus, c'est trop bien ça par contre. Ça c'est cool. En plus on peut rebondir sur le décor, c'est n'importe quoi. Attendez, mais je peux aller n'importe où, mais c'est trop bien. Ah non, par contre je suis tombé là. Donc je disais,
Bon, y a une latence énorme quand on tourne. Ça, par contre, ça rend le jeu mais super dur à manier, honnêtement. Je pensais que ça serait totalement directif, comme les premiers jeux de l'époque, en tout cas en 3D. Mais pas du tout. Circuit très coloré, d'ailleurs, hein, plutôt assez fourni en termes de détails. Alors, c'est un mélange 2D 3D. On peut voir qu'il y a des éléments, c'est de la 2D, et d'autres, c'est de la 3D. Et là, si je le vois, c'est pas pour rien. C'est parce que j'arrive pas à garder le cap, simplement. Alors là, je n'ai fait qu'accélérer avec la croix, freiner avec carré. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres touches. Le LR ne fait rien. Le L1 fait la vue arrière. Et si on appuie sur R2, on change de vue. Oh là là, mon dieu. J'ai une vue encore plus près. Oh, ça, c'est pas mal. La vue est plus près. Oh, elle est pas mal. Elle est bien. On a un petit effet de vitesse sympa. Oh, par contre, on sent les effets, par contre, de balancement du véhicule. Ça, c'est vraiment très très bien fait. Maintenant, sorti de la piste. Oh, je suis désolé, c'est injouable. Alors, je pense qu'il y a quand même une sorte d'habitude, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, regardez comment c'est. Je peux pas vous. Je sais pas comment vous montrer ça, mais. Il y a un délai énorme pour tourner. Très bizarre. Attendez, je vais mettre droit. Voilà, on est droit. Là, je vais tourner à 3, 2, 1, droite. 3, 2, 1, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Vous avez vu le décalage. Bon, on est en 3 sur 3, je vais quand même finir le circuit. Qu'est-ce que je pourrais déjà te dire de base? J'aime beaucoup les graphismes, dans le sens où ils sont très colorés. Franchement, c'est ultra... On dirait qu'ils font de la pub pour la télévision couleur. On a la piste qui est très chatoyante. Et ça correspond d'ailleurs super bien à ce qu'on a vraiment visuellement. Et même le... tous les éléments, même le HUD, donc l'interface autour, très coloré aussi. D'ailleurs, le truc de vitesse me fait penser un peu à Crash Team Racing. Sachant que le jeu est sorti quand même largement avant. On a fini le tour. Bon, c'était pas exceptionnel du tout. Il y avait vraiment un travail d'adaptation à faire pour piloter dans ce jeu, parce que c'est vraiment pas évident. Alors, je vais vérifier si, en changeant la machine, on a un maniement qui est différent, parce que potentiellement... le fait d'être un petit peu en l'air, peut-être que le maniement est différent. On va tenter par exemple la ball box. On va voir si c'est pareil ou pas. Ah, on peut rater son départ déjà. Ah ben là on ressent mieux l'effet justement de lenteur pour tourner. Sauf que là, on a un effet visuel sur le véhicule qui fait que ça se ressent beaucoup moins. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus maniable. Ouais, j'ai pris le... Par contre, le véhicule qui... Ça c'est quand même incroyable. Le véhicule qui se plie selon le virage et selon l'inclinaison que l'on a, c'est quand même assez bien fait. Franchement, pour faire partie des premiers jeux de la console, hein. Quand je dis les premiers jeux de la console, je crois qu'il y a... On doit vraiment être dans le top 10... les 10 premiers jeux sortis, je crois que c'était les 10 premiers, c'était Formula One, Ridge Racer, Motor Toon, et il y avait un autre jeu de Battle Toshinden, et il y a sûrement y avoir un ou deux jeux un peu plus un peu moins connus dans la liste, qui faisaient partie des top 10, mais celui-là c'est vraiment un des premiers, et je trouve extrêmement réussi, enfin ils ont déjà exploité la console pas mal, je trouve, par rapport à ce qu'elle sait faire. À la base. Bon, on va quitter un petit peu. C'est un peu plus maniable, j'ai l'impression, avec avec ce véhicule. Sachant que j'ai dû faire start, hein, par contre, pour valider. Et la croix n'a pas marché. On va faire exit. Et on va changer. On va faire carrément un championship race pour commencer. Je vais prendre la machine du... Oh, on pourra tenter Princess Jean, tiens. Sur la machine du héros. Je mets que c'est celle du héros, celle qu'on a en premier. Full throttle, on est 8 en piste, c'est parti. On a 3 coins, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'elle va pas très vite par contre, le véhicule de la princesse. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même, on a sur le tracé, on peut voir où sont les IA, ça c'est bien. Si j'appuie sur R1, il se passe rien. Si j'appuie sur triangle, donc on dérape.
Je vais tousser beaucoup pendant la vidéo, je suis désolé. Ça fait au moins quasiment. Bah, ça fait une semaine au moment où je vous parle. Je suis malade. Enfin, j'étais malade beaucoup plus avant, hein, sinon je ferais pas de vidéo. Mais ça fait au moins une semaine en tout. Que ça dure. Alors là, on a un bouton rond. Je vais appuyer sur le bouton rond. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur un fireball. Ok. Bon, on va essayer de l'envoyer sur le quatrième. Ça a marché instantanément. Regardez comment on l'a envoyé valser. C'est plus maniable. Plus maniable que le véhicule qu'on a eu avant. Ça fait plaisir parce qu'honnêtement, c'était pas évident. J'ai encore 5 coins. Si j'appuie sur rond, j'ai encore une sélection. Vous pouvez le voir. Et je pense que je peux utiliser autant d'items que j'ai de coins. Hein, simplement. On va valider à nouveau. Je tombe sur là. Sur le missile. Wow. Ok, donc on était en vue missile carrément. On va en faire un nouveau, vu qu'on a 4 coins. On va enchaîner. Voilà, j'ai un turbo. Donc on va essayer d'utiliser au bon endroit. Donc effectivement, on a pas mal d'items. Ça c'est bien. Je vais un peu plus vite, mais c'est quand même pas fou. Là, on est deuxième. On va mettre de l'huile sur l'arrivée. Je sais pas si ça aura un intérêt. Ah bah j'enchaîne pour l'instant parce que chaque fois je tombe sur des coins, donc j'en ai assez pour pouvoir enchaîner. Et on va essayer de rattraper le premier. Il reste un seul tour. Puisqu'il y a 3 tours à faire. Et ça a marché. Enfin, je crois. On a la roquette, mais ça sert à rien pour le moment. On va pas l'utiliser. Je pense que je vais augmenter le son à nouveau parce que j'ai l'impression que je l'ai trop baissé. Ah, ça se manie bien. Il y a un vrai plaisir à manier ce véhicule, même s'il y a toujours un peu de latence quand même. Mais franchement, ça va. Ah, par contre, voilà, j'allais dire, je peux pas tirer en arrière. Et là, j'ai l'impression que j'ai quasiment tout utilisé dans la liste. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, on est plus gros. Ok. Je sais pas si c'est un intérêt d'être plus gros, mais en tout cas, on est plus gros. Oula, l'IA fait n'importe quoi. Il y en avait 6 coins à la fin. Donc, apparemment, là, j'aurais pu enchaîner, honnêtement, tous les items d'affilée. Sans quasiment m'arrêter, parce que chaque fois, je récupérais des points. Et du coup, on est premier sur 8, parce que ben là, il montre que les 5 qui ont marqué des points, mais... Alors, je sais pas si on est éliminé, si on termine pas dans le top 5, on va voir ça. Et un nouveau circuit, du coup, qui a l'air un peu compliqué. Je vais en profiter pour prendre un item. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? J'imagine que ça, c'est pour... C'est pour se cacher, ça. Ouais, je pense qu'on doit être soit immunisé, soit ça empêche les items d'aller sur nous. Allez, il me reste un coin, je vais l'utiliser bien sûr. Ah, j'ai eu 3 bombes, je pense que ça sert à rien. Je pense que ça c'est plutôt un élément de défense. Et là, il me reste plus qu'une coin à utiliser. J'ai raté le... Ah, il se l'est prise. Le 8ème se l'est prise. Et un truc que je comprends pas trop, c'est pourquoi les kilomètres sont écrits... Enfin, les miles par heure, pardon. Sont écrits à gauche. Enfin, en haut, pardon. Et en bas à droite. Ça, je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression que sur le circuit, il y a quand même d'autres endroits où on peut aller. Un peu à droite, un peu à gauche. Je vais quand même prendre, voilà, quelques coins. Ça me permet d'utiliser d'autres items. Alors ça impacte, mais pas tant que ça, hein, les bombes. Ils perdent un tout petit peu de vitesse. C'est pas non plus ultra impressionnant.
Ah ouais, alors si on est censé le contrôler, ce missile, je pense que c'est hyper dur. Alors j'allais du même côté cette fois-ci. Alors on est quatrième, donc je pense qu'on est dans la limite. Enfin, on est déjà dans le top 5, donc c'est bon. Oui. Là, je suis bridé à 134. Je pense peut-être que d'autres véhicules vont plus vite. Je m'étonnerais pas que ce soit le véhicule le plus lent, ça. Parce que malheureusement, ils ont souvent tendance à mettre. On l'avait vu dans Sonic R, par exemple. C'était Amy qui avait le véhicule le plus maniable. Mais bien sûr, qui dit plus maniable dit plus lent. En tout cas, le jeu est très chatoyant, très joli, j'aime beaucoup. Vraiment, enfin, c'est un jeu qui est fait pour les enfants. Mais il est quand même super cool. Ah, il est beau, il est fluide, il est. Ouais, il est. Enfin, je n'ai pas de défaut à lui donner. Franchement, pour un jeu de début de la console, je reste assez impressionné, quoi. Sur le plan technique, ils ont fait quelque chose de très cohérent. Et on a des jeux qui sont sortis bien après sur la fin de vie de la console, qui sont pas spécialement beaucoup plus beaux. Hein. Alors certes, on le voit qu'au niveau des textures, des fois, c'est un peu léger. Par exemple, on voit le vert autour. J'ai presque l'impression que c'est une volonté graphique. Une volonté d'avoir laissé cette simplification. J'ai un mushroom. Je sais pas quoi ça sert, c'est pas grave. Utiliser. Et là, j'ai plus de coins, donc on va devoir se débrouiller sans. J'ai pas eu une seule fois l'IA qui m'a embêté, par contre. À aucun moment, ils ont envoyé quoi que ce soit sur moi. Je pense que du coup, on devrait s'imposer assez facilement. Pas eu de niveau de difficulté non plus à choisir au début du jeu. Bon, les véhicules sont pas très beaux, honnêtement. Je les trouve très. Alors, ils sont originaux, certes, mais ils sont pas. Enfin, ils sont pas beaux, quoi. Il y a un côté un peu méchant, je trouve. J'ai jamais beaucoup apprécié dans les véhicules. Allez, la troisième course. On va essayer de prendre le maximum de coins dès le début. La power-up. Power-up, power-up, je pense que c'est pour aller plus vite. Ouais, pas. Je sais pas ce que c'était. Voilà. Les collisions sont assez basiques aussi. Mais pas trop impactantes. Bon, c'est pas mal ça. On est sur une route transparente. On est sur la Rainbow Road. Et en plus, j'ai l'étoile. C'est parfait. Alors, il y a énormément d'items hein, quand même, je trouve. Voilà, j'ai l'autre qui m'a touché, du coup il est mort. Oh, je précise que le jeu est sorti avant le Kart 64. Hein. Donc, quand même plutôt beau. Continue d'enchaîner. Ah, j'aurais dû prendre le coin là, je l'ai pas pris. Bon, les tracés pour l'instant sont très bizarres. Oula, c'est très bizarre de voir ce qu'il y a devant nous. À cause de ça. Voilà, ça fait ralentir le champignon. C'est l'inverse de Mario. Alors, comme je vous ai vu tout à l'heure, je pouvais changer la vue. Voilà. Alors cette vue-là, on voit beaucoup mieux. On a plus le temps de calculer ce qui se passe. Par contre, je la trouve un peu moins rapide. Enfin, un peu moins fun à jouer quand même. Par contre, la vue intérieure, elle est quand même pas mal. Boing. Boing, 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 boing. Allez, on va essayer de prendre le deuxième. Ah, il a pris un boost, on va essayer de le toucher. Yes, c'est bon. On l'a envoyé valser. Par contre, c'est bizarre qu'ils aient mis des textures à la fois vertes et à la fois transparentes en même temps. Ils ont fait une sur deux. Peut-être pour rendre le truc un peu lisible. Rendre le tracé un peu lisible, parce que je pense que s'ils avaient tout enlevé, on saurait pas trop où aller. J'ai récupéré un M. Et je l'ai raté.
Un petit turbo. Ah mais on est que deuxième, j'en sais qu'on était premier. Mais pas du tout. Pas ce qui se passe si on se prend les oiseaux. Est-ce qu'on perd du temps? Est-ce qu'on les touche? Est-ce qu'on les traverse? Pour l'instant, le jeu n'est pas foncièrement dur, en tout cas pour un début. Par contre, ces textures vides, vous pouvez voir, des fois, c'est juste des pages de couleurs, hein, il n'y a pas de texture réellement. Ça, par contre, ça fait vraiment penser un petit peu à Star Fox sur le Super Nintendo. Ah, j'ai raté le... Oui. Faut l'utiliser, hein. Alors, je trouve que s'il y a un truc qui est pas très logique, par contre, au niveau des items, c'est que peu importe la place où l'on est, on va avoir... Normalement, ils ont tendance à me donner des objets qui prennent en considération notre classement. C'est-à-dire, si on est derrière, on va avoir des items pour attraper ou pour pouvoir taper devant nous. Et quand on est devant, on a souvent des items pour se défendre. Et là, c'est pas trop le cas. On a gagné les trois courses. J'espère que c'est pas fini. Non, il y a la maison de Gulliver apparemment. Allez, c'est parti. Ok. Alors ça, je sais pas quoi ça a servi. Peut-être que ça peut servir à prendre des raccourcis. Ah, là on est dans un casino, enfin, j'ai l'impression. Allez, bon, pas rien. Ah, je vois qu'il y a un taxi aussi comme véhicule. On pourra peut-être débloquer plus tard. J'ai raté le boost. Mais sur un piano. Il y a la course. Je sais plus comment elle s'appelle, la course au Mario. Mario Kart 8. Une course où on passe sous un piano en rond. Comment elle s'appelle? Alors, autre chose assez intéressante, je trouve, c'est la distance d'affichage. Qui est quand même assez grande. Alors, on a un peu de popping au loin, mais franchement, ça va. Lui, on est dans un jeu de début de la console. Et je trouve ce jeu. Déjà ultra complet, quoi. Pour de la 32 bits, en tout cas. Oh! Alors, ça fait rien. Je pensais qu'on allait prendre la boule, mais pas du tout. Change que dalle. Alors là, les bombes elles sont restées. Oh, le fireball, on va attendre un petit peu. Ça a touché le premier. Ouais, ça a touché. Alors, les items sont quand même faciles à utiliser. Pas trop de soucis à ce niveau-là. Par contre, je les ai pas vus utiliser une seule fois un item contre moi. On verra si ça vient après. Mais c'est vraiment pas. Enfin, pour l'instant, on est vraiment en mode le plus facile possible. Je découvre le jeu en même temps que vous. J'ai même pas joué une seconde avant. Là, on est dans les jeux d'échecs. J'aime trop d'items, alors il me reste 5 à poser. Je vais mettre de l'huile là.
quasiment sûr que quelqu'un va se la prendre. Ok, ça sert à rien. Et la boule, mettre of course, mais par ça. Ah, c'est un oiseau devant. Bon, là, je crois que c'était Donald, je sais pas pourquoi. Ah, je peux aller par là. Ah, ok, donc on peut voir les... Ok, c'était vraiment une épingle, en fait. Voir les caisses adversaires de l'autre côté. J'utilise tout ce que j'ai. Parce que pour l'instant, à part des cannes, je sais pas. Je suis tout petit. Je suis redevenu grand. Et voilà, on a gagné. Alors le jeu est fluide aussi, hein, vous avez vu, il n'y a pas eu de ralentissement. Alors, on va voir la maison hantée maintenant. Je sais pas combien de circuits il y a aussi dans ce jeu. Allez, c'est parti pour la maison hantée. Oh! Oh là là! Oh, j'ai réussi à m'en sortir et non! Ah zut! Bon, elle est tombée, c'est pas grave. Allez! Oula, 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 oula! Ouh, cette course a l'air plus compliquée. Déjà! Déjà, on est sur des œufs, la piste est très, très peu large. Les guillotines, c'est la piste d'Halloween, hein, on pourrait dire. Si c'est un petit peu en retard par rapport au calendrier. Un ghost town, on a déjà fait un tour. Oh, ça allait vite. Par contre, là, il va falloir pas se louper plusieurs fois parce que ça va être difficile à rattraper, je pense. Et je n'ai pas de coin. Il dit pas de coin, il dit pas d'item pour pouvoir. Soit aller plus vite, soit attaquer, soit se défendre. Alors celle-là, il va falloir faire gaffe. Pas évident. Ce passage est vraiment pas évident. Dans la lave. Ah, enfin, un item. Je l'ai raté, je pense. Bon, la guillotine, elle passe, mais elle peut pas nous toucher, donc ça sert à rien, c'est qu'un élément de décor. Ah, je l'ai raté. Ah, si on gagne tout, ça serait exceptionnel. Quasiment une demi-heure de vidéo. Bon, c'est sûr que si on gagne tout, ça voudrait dire que j'ai fini le jeu en l'espace d'une minute, c'est un peu bête. Enfin, ça serait vraiment trop court, mais bon, ça doit être le gros défaut du jeu finalement. Oula. On va voir. Chaque fois, je rate l'item, du coup, j'ai pas de coin. N'importe quoi. Allez, le coin il est là. Et je l'ai raté encore. Enfin, on l'a quand même dépassé.
Je pense qu'il va gagner, sans la ligne d'arrivée d'ici, donc. Bon, il nous garde en conche, ça on pourra passer à la suite. Ce sera pas imparfait. Parce que les frères pingouins ont gagné. 46-32, bon, pour l'instant ça va, on est bien. Ah mais c'est fini! Je pense que j'aurais dû garder le son à fond, finalement ça aurait pas changé grand chose. Et c'est déjà fini. Ok. 38 minutes, fin du jeu. Rappel des prix d'époque, hein. 399 francs. Ou 345. Bon, en tout cas, bon, les musiques sont... Je les ai déjà oubliées, ouais. Non, ils m'ont pas interpellé. Mais bon, elles sont dans le thème. Et ils sont faits d'ailleurs à un générique, le générique du jeu. Ils ont quand même fait chanter quelqu'un, donc ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Et j'imagine qu'on doit avoir une fin différente sur les personnages que l'on a utilisés. Alors si je devais rapprocher ce jeu en termes graphiques d'un autre jeu, alors pas dans les couleurs, hein, mais dans la façon de faire, ça me fait un peu penser à du Motoracer et un petit peu à du Need for Speed 1 voire 2, surtout quand on met la vue un peu plus éloignée. Et je dirais pourquoi pas même un Virtua Racing sur Mega Drive Saturn et 32X. On va faire start, on va quand même voir. Check your goodies. Et bien on va voir ce qu'on a débloqué. Les temps de chargement sont très courts aussi. J'aime bien. Ah ben on a débloqué extra caractère, ok. Du coup si je vais dans Single Race par exemple. Ah bon, on a débloqué carrément les trois dès le début. Ok. Donc on a débloqué Vanity, Billy the South et Ching. Ouais, c'est le prononçage chinois. Donc, Xin Tong Chan. Voilà, je ne prononce pas léger. Donc. On va juste tester le véhicule, voir ce que ça donne. On va laisser sur ce... On va pas comparer avec l'autre. On va le comparer avec celui-là. Okay. Alors j'imagine qu'on peut gagner d'autres trucs si on regagne peut-être le championnat avec un de ces personnages. C'est quand même pas mal de choses à débloquer. Il y en a encore quelques-uns. Oula. Alors lui c'est l'inverse. Oh mon dieu. Alors ce véhicule par contre est très très lent pour tourner. Ouais. Alors le maniement est totalement différent. Ok, je commence à comprendre. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que tous les véhicules ont leur propre maniabilité. Et ça c'est pas souvent le cas. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, et au moins ça. Parce que si tous les véhicules se ressemblaient, bah honnêtement, je pense que ce serait très dommage. Ah, même à 2 à l'heure, j'ai du mal à tourner. Alors je rattrape en vitesse de pointe ce que je perds en virage. Mais c'est pas fou quand même. Il faut un peu plus utiliser le bouton frein. Que dire de plus sur le jeu? Bah écoutez, pas grand chose, c'est un jeu qui est très réussi. Franchement, je le trouve vraiment réussi. Alors je dis pas qu'on va pas s'ennuyer très rapidement, parce que je pense que la durée de vie n'est pas en plus grande. Mais quand même, il y a de quoi faire. Enfin, je pense qu'à l'époque ça devait être sympa. Par contre, je crois pas, alors j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu s'il y avait un mode 2 joueurs. Mais je pense que ça serait bien qu'il y ait un mode 2 joueurs, parce que c'est quand même le genre de jeu qu'on va jouer avec un ami. Un ou une amie.
Et c'est bon, je peux traverser, on s'en fout. Par contre, voilà, quand on est dans l'herbe avec la... avec ce véhicule, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai un bouton triangle qui me permet de faire un frein à main. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais essayer de le faire ici. Le frein à main, ça change pas grand chose. Il tombe pas bien pour autant. Par contre, je vais beaucoup plus vite, hein, en essence. Allez, on est énorme. On est énorme et sec, voilà. Et on va finir ce dernier tour. Putain. Il joue pas l'intérêt. Alors, donc, si je termine sur un dernier bilan, pour moi, le gros défaut de ce jeu, c'est que les IA sont absentes. Quand je dis absentes, c'est qu'elles sont... bah, elles font rien. Voilà, elles font que se déplacer sur le circuit, mais elles nous attaquent pas. Elles gagnent pas de position, nous... elles essaient pas de nous bloquer, ça c'est vraiment dommage. J'ai l'impression que la difficulté du jeu est quand même assez basse. Enfin, une fois qu'on a pris le bon véhicule, en tout cas, elle est basse. Le reste, tout positif. Voilà, musique, graphisme, maniement correct. Alors, c'est pas le meilleur maniement que vous allez connaître, mais il est quand même bien. Donc, ça va, c'est un bon petit jeu Motor Toon, surtout pour les premiers de la console de Sony. Donc, je recommande, en tout cas pour un jeune public. Voilà, pas pour un adulte. Un adulte, vous allez y faire le tour et je pense que vous allez vite vous ennuyer. Il y a un instant tous les play vidéo d'ailleurs. Et j'ai juste confirmé s'il y a un mode de joueur ou pas. Ouais, il y a un mode de joueur. Je pense qu'il faut mettre une deuxième manette. Ou peut-être que c'est comme sur Formula One par exemple. Peut-être qu'il faut deux consoles et deux télés. Ça par contre, ça serait dommage. Je pense que le jeu a la capacité de pouvoir mettre deux joueurs en écran splitté. Il n'y a pas de raison qu'il puisse pas. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, pour une autre vidéo. Dès la prochaine. Ciao tout le monde. Thank you.